أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. صلى الله عليه الكريم. Aujourd'hui, le 11 décembre 2021, je viens de mon blogueur Soninke, influenceur Soninke. Avant cette petite interview d'abord, je présente mes condoléances à notre président expédié sur ce peuple de Balatouré pour le décès de sa mère. Toutes nous connaissent « Khal inna lillahi wa inna ilayhi rajoun » qu'on a fait déjà été le mot, qu'Allah qui est au paradis. Donc on est très bien qui est Balatouré, un grand révolutionnaire. Mes condoléances à Balatouré et à toute sa famille, Mohamed Touré de Mauritanie, à tous mes parents qui viennent de Guidimara partout, la Oumma Islamia, surtout à l'honorable député Komodada Khan, ami intime à Balatouré. Ok, mes très chers compatriotes, l'objectif de ma vidéo aujourd'hui sur deux ou trois points. Premier point, c'est le départ du président Khazwani vers Chankati. On a parlé de l'Empire de Ghana, qui était une empire soninké, de la Mauritanie jusqu'au Tchad. Pendant 14 siècles, les soninké ont colonisé toute l'Afrique de l'Ouest. Bon, ce n'est ce qu'on l'a écouté. Il a demandé il faut combattre l'injustice, le pacifique humanitaire, okay, l'argument de terre, le problème de l'esclavage. Seyd Raïs, c'est le mec. Mais tu n'as pas. Tu es obligé de le faire, Seyd Raïs. Tu sais que toi, il faut qu'on dise la vérité. Les voyous, les incompétents qui sont avec Aziz sont avec toi, surtout les députés. Certains postes politiques qui te donnent ces voyous qui sont avec toi depuis le temps mortal d'Ada jusqu'à Mahouya. Ces gens ne t'aiment pas. Ces gens, ils sont là pour détourner, que ce soit les bailleurs de fonds, les banquiers comme Bahamadou ou Tajedine, ou bien la famille Abbas et tant d'autres. Ils ne t'aiment pas. Si un autre président vient, ils vont faire la même chose. Tu sais très bien que le con Beram Dabé ne peut pas te donner quelque chose. Beram Dabé, ce sont les négro-africains qui ont voté pour lui, les Harpar, les Soninké et les Wolof. 5% des Haratis n'ont pas voté pour lui. Ils le connaissent très bien mieux que nous. Mais il se trompe lui-même. Ton discours, c'est un très bon discours. Je sais que le problème, quand je dis les morts, je m'adresse aux militaires. Il faut m'excuser quand même, les militaires morts. Je salue de ne pas ça, le général Ouldallah, le vrai général, qui a compris ce qui se passe en Mauritanie. On a oublié le problème de Niaouli. On ne va pas continuer, je continue, que toujours que nos parents peuvent toujours persécuter. Vous les torturez, vous les avez tués, vous les avez expulsés, et vous avez pris leur terre. Parce que ce sont des peuls, ce sont des soninkés. Maintenant, si ça termine les peuls, ça va revenir aux soninkés. Qui font ça? Ce sont vos voyous militaires qui font ça. Les préfets, les gouverneurs, ce sont les militaires qui les ont mis là-bas. Qui est obligé de régler le problème de Niaoulé, le problème de Bababé, le 21 Nogro Mortanité, il faut qu'il y ait justice pour ça. Tu sais très bien, toi, tu faisais partie de cette armée-là, ou l'Aziz faisait partie de cette armée-là. Il est parti faire une prière à Kir, ça c'est faux. Il faut amener les gens que vous avez tués, leurs parents, il faut les indemniser, ou faire un mémorandum pour eux. Comme on se passe, il ne faut pas qu'on salue notre fête d'indépendance qui est le 21 novembre. Les rescapés sont là-bas, il y a Samba Cham qui est là-bas. Il y a le faux Ibrahim Sarr qui est là-bas. Il faut passer par ces gens. Balas, on n'en parle pas. Ce n'est pas quelqu'un de crédible. On le connaît. Demain, il dit Tchou. Après, il dit Tcha. On le connaît. Ibrahim Kanahim Baba, c'est la même chose que Balas. La seule personne qu'il faut parler avec lui, c'est Samba Cham pour le passé humanitaire. Je me rappelle le journée de concertation en 2007. L'autre là, Sidab Shah Yarama a organisé ça. On parlait du congrès. J'étais là-bas. J'étais à la télévision. J'ai dit la même chose. Ibrahim Sarr était là-bas, monsieur était là-bas. J'ai dit que ces voyous-là, ces militaires, c'est des mensonges. L'argent qu'ils ont donné pour indemniser, c'est ce qu'il y a un problème chez les Harpar aussi. Parce qu'ils sont divisés en 73 organisations, ONG. On ne sait pas qui veut la justice, qui ne veut pas la justice. Pourtant, il y en a plein. Il y a Komodada Khan qui est bien. Quand j'étais Malik Diallo, Saoudou Toumane, on a tué son mari. Pourquoi pas passer par elle L'autre, l'avocate là, Fatmat Mbaye, elle n'est pas mal. Mais le problème, Khazwani, vous les morts, les militaires, ce que vous dites aujourd'hui, c'est comme que les paroles d'une grenouille. Fanan de Bolo. Je sais que ton discours t'a parlé de bon. Aziz a fait la même chose. Moi, il a fait la même chose.
Mais le problème, ce sont vos parents qui ont fait ces bêtises et vous êtes inclus, vous n'êtes pas exclus dans ce système raciste. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tous les officiers, ou le Kahel, ou le Mbarek, le jeune Assas ou le Mbarek au Tchad, parce qu'on a tapé fort dans les réseaux sociaux, c'est de raïs. Il faut les faire sortir de l'armée. Il y a le gars qui est là, le secrétaire général là, qui est là-bas. Ton chef d'état-major, ou le Mogget, il faisait partie. Ces gens, il faut les limoger. Parce qu'on ne veut plus voir ces têtes qui ont tué le prophète. Je vais vous dire une anecdote dans ce pays, la Mauritanie. Parce que la Mauritanie, j'ai dit que c'est le meilleur pays que j'ai vu dans ma vie. Parce que quand nous le croyons, nous sommes tous des musulmans. Nous sommes tous des frères. Nous prions derrière les morts. L'Alpla a pris derrière le Sonic est pris derrière l'Alpla. Le Wall a pris derrière le Wall. Oh, si tu vas dans les mosquées, tu sais que la Mauritanie, vraiment, c'est les frères. Tandis que quand tu vas dans les autres pays limitrophes, je ne veux pas être loin, au Maroc, au Sénégal, Mali, tu vois du banditisme. Tu ne peux pas attacher un mouton chez toi tant qu'on ne vole pas. Tu ne peux pas sortir avec un billet de 10 000 lugas ou 10 000 francs quand tu ne voles pas. Mais Mauritanie, il n'y a pas ça. Mais tu sais que les Mauritaniens s'aiment. Le problème, c'est quoi? Vous semez la terreur, les militaires. On en a marre de vos mensonges. Et tu as le choix, c'est Raïs, de changer ce système. Tu le changes parce qu'Aziz est en prison. S'il sort, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut armer les Haratines ou les Harplas ou les Soninkés contre toi. Parce que vous savez que les 80% des Noirs, on ne compte ce système raciste. Ce n'est pas la peine de nommer tout le gouvernement Haratine, le premier ministre Haratine. Non, c'est faux. C'est la population qui a faim. Il y a un problème. C'est que le problème, c'est que on, chaque fois, ce n'est pas les morts qui ont le problème. C'est le pouvoir qui a un problème. L'État. C'est l'État qui est égoïste, qui est raciste, qui divise les Mauritaniens. On a vu l'exemple de Macky Sall. On va prendre à côté, on va pas aller loin. S'il a nommé tous les directeurs généraux, les ministres à la plupart, mais ça va voir. Mais tu vas voir les élections 2024, qu'est-ce qu'il va passer des injustices. Il faut le réparer. On ne peut pas construire un pays avec une seule ethnie, ou bien un seul tribu, ou bien des castes. Ce n'est pas possible. Ce Bram Dabeda, il s'en mentait, il ne va rien faire pour toi. C'est le neutre n'est pas avec lui. Il le sait. C'est nous qui l'avons fait, la diaspora. Les gens comme Abdullah Babassi, Domone Camara, Daoud Camara, Abou Tandja, Dembidé, ok? C'était que ça. Qui? Mais c'est que nous, on n'est pas fous. Et en plus, je vous parle quelque chose. Les coalitions vivre ensemble. On ne veut pas, on ne veut plus une Mauritanie uniquement à l'Halplar ou de mort. On veut une Mauritanie avec compétence. Maintenant, Aziz Khazouane a ouvert la porte. Wallah, bismillah, tu es un musulman comme nous tous, tu es notre frère. Le décès d'Abdelaziz, j'ai parlé avec l'un de ses cousins, j'ai présenté mes condoléances, j'ai mis ça sur Facebook et ils étaient très étonnés. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous, on veut changer la politique. La Mauritanie, avant, c'est entre les Haratins, les Harplars et les morts. Maintenant, les Soninkés nous demandent quelque chose aussi. Parce que quand j'ai dit que les morts ne sont pas plus insultés que les Soninkés, les Haratins ne sont pas plus insultés que les Soninkés, les Harplars ne sont pas plus insultés que les Soninkés, les grands perdants, ce sont nous les Soninkés. Ça veut dire quoi? On n'a qu'un seul secrétaire général, le ministre de l'Éducation nationale, Aïr Soumaré, et son beau-frère qui est ministre. C'est tout. On n'a aucun poste. On a un seul ambassadeur qui est Hamid Kamara qui est au Nigeria. Et le reste, les députés, ce n'est pas vous qui avez voté, ces députés-là. Ces députés, on a eu cette législature où c'est au Guidi Maka, avec une région 80% soninké. Et les soninké, nous sommes instruits. Regardez à la batte, il y a Samba Dao Kamara qui est là-bas, M. Silla, il y a tant d'autres. Ismaël Daro Kamara qui sont dans les institutions internationales. Le jour où vous avez qui Khazouani, Ousmane Diagana, vice-président de la banque, Ousmane Tchondi, de la Banque mondiale. Mais nous, nous sommes niqués. Qu'est-ce qu'on veut dans ce pays? On veut construire ce pays. On en a marre de l'union Mayagon. On a marre que tous les gouvernements soient des morts. On veut que ça soit, le gouvernement soit tous des morts, des Harblas qui sont compétents. Comme le Maroc qui est développé, comme la France, comme les États-Unis d'Amérique qui est développé. On a exemple vu Aka Soumaré. L'un des meilleurs maires de l'Afrique. Mais vous voyez Akala, c'est un multimilliardaire, il a des licences en or au Maroc, au Mali, mais qu'est-ce qu'il vaut? Il a construit le truc Ouagadougou, le centre sportif de Ouagadougou, à combien? Plus de 600 millions de gars, avant qu'il soit maire. Avant, les militaires volaient cet argent-là, il y a son grand frère, Dr. Othman Soumaré, sans Souniki. Aziz, là, il est un opposant, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait pour l'hôpital Dia qu'il était là-bas? Le centre psychologique, je ne sais pas, qui gère là-bas. Il est parti chercher l'argent à l'Union Européenne. Il a fait un mur, il a conçu, il a mis les trucs. Parce qu'il est opposant au refus de lui dans le bureau. Il y a Kamara Boubou qui est là-bas, Kamara Boubou qui vient de la France pour venir pour son pays. C'est ça qu'il faut aller faire. Il faut aller pêcher des bons poissons que les mortels vont faire manger. Le prix de l'eau coûte très cher.
Le pouls du secteur, peur les morts, les commerçants. Moi, j'ai fait l'enquête, j'ai fait une semaine dans le port. J'ai fait des enquêtes. Qui est là-bas, le directeur du port? C'est l'ancien banque centrale, l'ancien directeur de la banque centrale de Aziz, qui est un grand voleur, qui était avec Kan Ousmane. À l'époque, Kan Ousmane était ministre des Finances. C'est Idriss. Qu'est-ce que les gens veulent dans ce pays? Amener des intellectuels. Il faut faire quoi? Il faut faire une conférence internationale de la diaspora. Amener les intellectuels qui sont aux États-Unis, en français, soit chinois, Bangladesh. Comment je suis aux États-Unis? Regarde, ils s'en fichent de ça. Ils peuvent prendre des Iraniens dans leur tête. Ils peuvent prendre des Irakiens. Parce qu'ils cherchent la meilleure semence. C'est ça qui manque à Mauritanie. Vous croyez que l'arabe là? L'arabe ne peut pas nous amener que c'est. Le français ne peut pas nous amener quelque part. Faisons l'arabe. Il faut faire le système américain que ça marche. Il faut obligatoire quand les Mauritaniens apprennent l'anglais. C'est ça qui est important. L'anglais is the best one. Vous avez compris? Essayez de raison. Niaoulé. C'est un simple préfet qui peut donner les terres dit qu'il ne peut pas répondre en Haratine, en ministre Haratine. Ou le Mourzi qui est là, le ministre de l'Intérieur. C'était des anciens voleurs. Dites que la population vous haïsse. Essayez de raison. Je vous en prie. On a écouté ton discours. C'est un très bon discours dignificateur. Ouvre la porte à leur vraie opposition. Quand le vrai opposition, c'est qui? Qui est l'autre là? Koumouda Dakan, Bala Touré, Kadiat Malik Diallo, Salut One et Samba Cham. Il faut écouter ces gens-là, c'est Idriss. T'as compris? Il faut écouter, ils vont donner la vraie version. Les Oul Moudour, les Biramda, Kan Hamil Baba, les Bala. Ça, c'est de crouches. Ça, c'est pas l'opposition. En plus, je jure au nom d'Allah, Aziz a des éléments dans l'armée. Si tu ne vous amenez pas la démocratie, les militaires, si vous ne donnez pas le pouvoir aux civils dans ce pays-là, au nom d'Allah, la Mauritanie sera comme l'on l'a. Et ça sera plus pire que ça. Parce qu'il y a un problème détenu en Mauritanie. Il y a un problème entre les morts et les peuls, entre les peuls et la ratine, entre les peuls et le soniqué, entre les soniqués et les morts. Ça, on n'a plus besoin de ça. On a besoin d'un pays. Un seul pays, c'est quoi? À la Ouattani mauritanien. On a besoin de l'autre Mauritanie, comme les soniqués font. Ils vont au Brésil, ils vont en Espagne, ils vont en Angola, ils vont aux États-Unis d'Amérique, ils amènent l'argent pour investir dans ce pays. On a vu Mohamed Semenga qui a investi 1 milliard 400 millions. Le ministre de l'Ouvrement, le voyou là, qui est parti fêter, comment ça s'appelle encore, la journée des fruits à Kédi. Mais c'est lui qui a donné son remboursé son argent, il est en train de créer des emplois pour le peuple. C'est Idriss. Si son discours, il faut ouvrir la porte à l'opposition, qui est Samba Cham, qui est Bala Touré, ou Koumba Darakan, ou bien Kadiat Malick Diallo, ça d'autre. Il faut parler avec ces gens-là. Mais les Biram, là, quelqu'un qui s'est fait connaître avec 500 millions de gars, avec qui a été primé, à Muni Brahim, il a 49 et quelques pourcents. Si c'est deuxième matin, il a 50, il sait que vous n'avez pas gagné ces élections-là. Vous avez hold up, ces élections passées. C'est moi, demande la caméra. Parce que ma vidéo a été très longue, je vais parler un peu en sonique. Moi, je me suis dit que je vais parler de la question. Je vais un discours. Finalement, je vais parler au président Mafati. Je vais parler de la question. 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 Naut il mortani machar selon ko nyanki empire après les almoravil et morabutir ken yo onti discours ki ar kebe ko kapenya ko ati jamane ki fuk na ria avec les problèmes de nyaoule ngam roso fulu kunyu egutu makanati sénégalais nyani ak dit kenga agir no nga asef mankama nanti fu jamane ki ina lonle onti maneni trop fat khoro ko ta sanga kebe mako parce que gaw idi ngam mako menya contrôle train kunya atanger singada nganko wanki timaka tokaya voilà donc raison digam ko fugo ko galgo ko ndi kat ke ngam mawere dem ken kono aji dem ken kono kangat kap hari nta gana seven sorobela hasib kat sur suru yirul lum ga fo fam kom bala touren kom dada kan kadiat malik dalon sambu chamne mais le balas la bramdan kun khurusnya to kusono ko an grand perdant d'exemple ko akasmare il s'en signal mara maroc ni malin a investi mortani a restant ko motimi le gam nyamber milter ko ni xass ki foynam ak agrat non 250 millions sino ke lo gouvernement compte l'exemple on samba da camara iga ko nyana institution internationale les exemple Ousmane Tiondi jagana afaka banque mondiale vice président ko ta alak nok sot alak terre une fois je suis le journal amuk to ko son ko an pardon gor mortan hajun ke mortan hajun ga kebe on anglais khara arab sere kan sa kat france donc on anglais khara on a jamana ke den kan diaspora
ina conférence internationale de diaspora ina tuwa ngalu kusu kiri mortani ina yutu ina fosurungu ga kebe kele sogol suru ina le gouvernement gouvernement ke suna ya sera ke c'est pas un problème c'est pas la peine pas pas un gouvernement ni hardana ni hardan kusu fuana wala fulu kusu fuana wala sura kusu fuana wala sura kusu fuana ken fi ina fosuru nyawti ndo jamani gila jamani ke den kani du quoi quoi ga discours kebe asre nyen arko kha falant mukudi wanko kha zonu ajus la monsieur tku fulen khabana timen ko solo be keur independence contre 28% ini jugé ulumba mulumba rek ni katé wul mogati fa fina armée ki ni khatba armée kono cheikhoul beye président l'assemblée a récapé ikoutou me ran ini khatba armée ko na mortan tak parce que aziz faftor ou pouvoir ko sa gana bo ko tos ala fulu ko do hardan ko lam ala na hardan ko sa ron ko ko ron donc jamané ko mo na peñal le jamané ko jamané ke pelant ñan o gam kef il faut rentrer c'est le menu rentrer en forant en on a rokan c'est de mana forant en rokan c'est samba da forant en rokan c'est ganda en rokan mais pardon khor khor ko sonu ko fonto dang mortel parce que sonu ko sur mbel do rakam ba politique ngala lakam ba politique en gabar la politique c'est quoi la définition la définition de la politique c'est quoi trouver solution au problème on a hajin jar on a mere ko met meda sera ko ndek takin kita fulni ndek takin kita ranta ko sonu ko ana ko sonu ko 1 million 800 million bak am so ko khasur ke jamay no qui est avec la partenaire Vincron, l'inc qui dégage mon cunya, bon, raison de quoi, bon, quoi, déjà mané que la tignana, et si c'est un gars finira, franchement, yani, au tout en tout cas, au delà, au lendemain, mon passe banque ni, y a phone, y a un commissaire de police ni, y a un préfet ni, y a un chef de brigade ni, son nom est officier Roro, militaire n'acteur banal, c'est un des officiers banal, donc, quoi, au cas son nom est contrôlé ni, quoi, fou l'ung qui tremble, mais harden qui tremble, au cas là, tremble au droit ni, au, déjà mané que, sur le téléphone, il est en train de capter, avec la partenaire Vincron, je la demande, assalamu alaikum.